Image plutôt rare d'un manteau neigeux qui recouvre la Bretagne. Une quinzaine de départements français sont maintenus en alerte orange ce samedi matin, soit pour des risques de neige et verglas, soit pour une vigilance grand froid. Cette vague de temps glacial touche une bonne partie de la France, mais aussi de l'Europe. Cela se traduit localement par des difficultés de circulation. En témoignent ces poids lourds qui sont restés bloqués de nombreuses heures sur une autoroute dans le centre de la France. On nous a bloqués à cause des pluies verglaçantes annoncées aujourd'hui. Donc voilà, on attend, on sait pas trop quoi ni quand on va repartir, mais bon, pour l'instant on attend, puis voilà, on va voir ce que ça donne. La Russie, pourtant habituée aux rudes conditions météo, enregistre des records de chute de neige, on le voit ici à Moscou. Des milliers d'engins de déneigement sont sur le pont, mais par précaution, les autorités locales ont appelé les habitants à limiter les déplacements. Les chutes de neige devraient se poursuivre tout le week-end et certains prévisionnistes prédisent même que le record de 2013 pourrait être battu. Le manteau neigeux s'élevait alors à 77 cm.